Good evening, and welcome to the Conservative Party of Canada's leadership debate. This is the second of our official debates and will be entirely in English. Our first debate, an all-French debate, took place here last night. I'm Lisa Raitt, and I'm joined by Dan Nolan. We are the co-chairs of the Leadership Election Organizing Committee and moderators for both official debates. Dan took the lead last night. Ce soir, donc ce soir, c'est moi qui suis en salle et nous vous donnons cela en direct depuis Toronto. Alors on va commencer. Voici comment les choses vont se dérouler. Nous allons commencer par une allocution d'ouverture de chacun des candidats. Après, tirage au sort de l'ordre d'intervention. Chaque candidat disposera de 60 secondes. Et nous demandons aux Canadiens de soumettre des questions sur tous les sujets. Nous avons reçu plus d'un millier de questions et donc mon voisin et moi serons là pour nous en servir. Et les candidats n'ont pas reçu les questions, mais leur a donné les thèmes généraux qui seront débattus. Suite aux propos d'ouverture, il va y avoir deux parties dans ce débat. La première moitié sera organisée en configuration de face à face et donc chacun affrontera un autre rival. Ensuite, il y aura des questions qui accompagneront chacun de ces face-à-face et ensuite, ils auront une intervention de 2 minutes et après que chacun aura eu la possibilité de répondre brièvement à la question. Et tous les candidats pourront donc de débattre contre l'un de leurs rivaux une fois. La deuxième moitié du débat consistera en questions vidéo posées à tous les candidats et pour lesquelles chacun disposera de 2 minutes afin d'y répondre. Et ensuite, on va ouvrir la discussion à un débat entre tous les candidats pendant 5 minutes. Le débat durera environ 2 heures de durée afin de permettre à tous les candidats une possibilité raisonnable de s'adresser à vous, c'est-à-dire les membres du Parti conservateur et l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Et nous voulons que vous sachiez que le Parti conservateur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir donc les questions de sécurité sanitaire et nous n'avons que 10 personnes dans le room et tous les candidats sont debout à des tribunes avec l'espacement de distanciation prescrite par les prescriptions sanitaires. Eh bien, si nous avions eu les 14 candidats d'il y a quelques années, nous aurait fallu sans doute louer le cirque ou l'aréna de Scotiabank. Et maintenant, nous vous présentons les candidats. Erin O'Toole. Monsieur Peter McKay. Monsieur Derek Sloan. Madame Leslyn Lewis. Welcome to you all candidates. Bienvenue à tous les candidats. Et commençons. Alors, propos d'ouverture de chaque candidat. Dans l'ordre au podium, Monsieur O'Toole, disposez d'une minute. Ça fait un moment que je m'entretiens avec les conservateurs de l'avenir du Canada depuis Calgary, où j'ai parlé de l'Alliance de l'Ouest ou à la Colombie-Britannique, où l'on ferme les scieries, ou à Toronto, où les familles de travailleurs dans tout le pays sont déjà abandonnées par les libéraux. Et puis, nous avons été frappés par la COVID-19. Les personnes ont perdu leur emploi, leur maison et leur espoir dans l'Ouest. Et donc, il nous faut plus que jamais un gouvernement fort et un leader avec des principes, un leader qui peut se montrer aux Canadiens des villes et des banlieues que la famille, l'égalité et ces principes-là sont à la base de notre parti. C'est comme ainsi que j'ai obtenu 3 fois mon siège à Toronto. Le moment est venu d'avoir un véritable conservateur de vraie couleur bleue et qui puisse remettre notre pays sur les rails. Merci, M. O'Toole, M. McKay. Je suis fier d'être Canadien, fier d'être conservateur. Et sous le gouvernement libéral, nous sommes moins prospères, plus endettés, plus divisés comme pays que nous n'avons jamais été au cours des 5 dernières années. Notre gouvernement et notre parti a pris des mesures
pour préserver la démocratie et la règle de droit, le Canada ne peut pas se permettre un autre mandat de Justin Trudeau. Je crois dans notre parti et bien sûr dans le Canada. Et je pense que notre avenir va être encore meilleur que notre passé. Et nous, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter, y compris la COVID-19. Nous devons être unis en tant que parti. Et lorsque nous réunions dans tout le Canada, que nous offrons des conservations, des solutions et des idées conservatrices, nous l'emportons. En tant que leader, c'est moi qui réunirai notre parti. Je suis appuyé par des conservateurs de l'ensemble du parti, des conservateurs sociaux, des gens soucieux de l'équilibre budgétaire et en français. Et donc, maintenant, il nous faut de vrais conservateurs et je vais défaire Justin Trudeau et je vais maintenant ramener un gouvernement conservateur majoritaire. Monsieur Sloan, vous avez 60 secondes. C'est un honneur que d'être ici ce soir et de représenter le parti politique fondateur de ce grand pays. Nous sommes confrontés à une fracture au Canada, des fractures raciales, régionales, comme l'aliénation de l'Ouest, et même des fractures de classe. Et je me présente devant vous ce soir et je vous promets solennellement que je ne ferai jamais de compromis sur la valeur conservatrice. Je servirai le Canada et je mettrai toujours l'intérêt des Canadiens en avant. Et je n'ai jamais été l'esclave du politiquement correct. Je veux que nous soyons souverains face aux organisations internationales. Et je suis le seul candidat qui est déterminé à retirer le financement de l'OMS et à nous retirer de l'accord de Paris. Et je ne mettrai jamais les intérêts des riches corporations avant les intérêts des Canadiens. Nous voulons que tous soient des partenaires égaux dans la Confédération. Voici ma proposition. Si vous voulez un conservateur fier de l'être et pas honteux de l'être, eh bien, j'espère que j'aurai vos voix. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Canada. Merci, M. Sloan, Dr. Lewis ou Mme Lewis. Le Canada est un carrefour. Si les libéraux devaient remporter la prochaine élection, il faudrait des décennies pour nous en remettre. Je suis la bonne leader et j'arrive au bon moment. Parce que je peux moi-même affronter les attaques des libéraux et les mensonges concernant ce que nous sommes, nous, en tant que Canadiens. Nous sommes un peuple de gens bien. Et donc, pour remporter les élections, il faut quelqu'un qui dirige avec courage, passion et bon sens, et le courage de résister à Trudeau et défendre ce qui est juste contre ce qui est facile, la pente facile, et le courage d'élaborer des politiques qui vont profiter à tout le pays et pas à quelques privilégiés, et également une bonne politique budgétaire basée sur le bon sens. Et moi, j'ai présenté ma campagne basée sur les principes, sur le courage, de compassion et de bon sens. Avec votre aide et votre soutien, c'est exactement la façon dont je vais diriger ce pays et notre nation. Merci. Merci, madame. Et donc maintenant, nous commençons la partie face à face du débat. Donc, nous avons 4 candidats ce soir qui sont tous des gens expérimentés, chevronnés, qui savent respecter le temps alloué, que ce soit au Parlement ou devant les tribunaux. Je sais également que les Canadiens veulent non seulement que ce qu'ils ont à dire soit entendu par les Canadiens, mais qu'ils tiennent à ce que leur adversaire puisse se faire entendre également. Cela étant dit, s'il m'apparaît clairement que le message ne passe pas clairement, je vais intervenir poliment et vous demander de reprendre vos propos afin que les téléspectateurs comprennent ce que vous voulez dire. Vous m'avez comprise très bien. Alors, première question. Alors, nous avons Erin O'Toole et Peter McKay. Première question, je m'appelle Mona Patel. Je viens de Niagara Falls et je suis fier d'être propriétaire d'une arme à feu. Je ne peux pas vous en parler, je suis de Niagara Falls et je suis française, catholique, canadienne. Je m'appelle John Williams, je viens de Elliott Lake. Je suis LGBT, fier et entrepreneur. Je suis mère unique, je suis étudiante de Niagara Falls. Question. Si vous êtes élu, est-ce que le Parti conservateur est inclusif et pour convaincre suffisamment d'électeurs, est-ce que vous allez remporter notre gouvernement? Great question. Excellente question, Mona, Crystal, Jordan et Jackie. C'est exactement ce que j'ai fait pour remporter mon siège dans Toronto métropolitain, c'est-à-dire réunir des gens
sur la base d'une approche conservatrice à la liberté. Je serai notre premier leader du Toronto métropolitain. Je vais le faire après 3 élections. Le premier ministre Trudeau n'a cessé d'attaquer les Canadiens dans les banlieues, dans les villes. Il faut que nous les réunissions pour vaincre et emporter. Excellente question, en effet. Et l'unité est au cœur même de ma campagne. Et donc, moi-même, j'ai consacré une partie de ma vie et de mon travail à cela avec Stephen Harper pour faire l'unité du mouvement conservateur. Mais si l'on veut véritablement atteindre les Canadiens, nous devons nous moderniser. Nous devons présenter des idées, des solutions, des politiques qui touchent les gens et qui les touchent aussi dans le portefeuille. Et donc, moi, j'ai un plan d'emploi qui est raisonnable, des politiques simples qui vont améliorer la vie des gens, non pas des projets basés sur l'orgueil ou la gloriole, et quelque chose de concret. Merci. Maintenant, nous donnons 2 minutes à M. Otto, on va commencer. Donc, je pense que les 4 personnes qui ont posé des questions représentent des échantillons, chacun différent des aspirations conservatrices. Et notre prochain leader doit unir tous les conservateurs. Toutes les voix dans notre parti sont les bienvenues. Et donc, il faut d'abord nous unir comme parti pour pouvoir ensuite attirer les gens, que ce soit dans le continent de la Colombie-Britannique ou que ce soit dans les banlieues, pour offrir un Canada où il y aura davantage de liberté, davantage de chance. Il faut d'abord commencer par unir le parti. Or, M. Mackey a commencé en divisant le parti. Nous devons l'unir. Et moi-même, je sais qu'il faut savoir, moi je l'ai remporté en ayant un siège à Toronto parce que je sais comment il faut s'y prendre pour y gagner. Retroussons nos manches, nous allons l'emporter. M. Mackey. Moi, je n'ai jamais rien fait d'autre que d'unir les conservateurs. C'est ce que j'ai fait en 1997, lorsque je me suis joint au Parti conservateur. Et j'ai travaillé avec Stephen Harper, avec les conservateurs sociaux, des conservateurs soucieux de budget. Et donc, je parle pour tout le monde quand je parle du Parti conservateur et au nom du Parti conservateur. Et il n'y a pas de petit trait d'union sociale ou autre. Et donc, moi, j'ai vécu dans le Grand Toronto avec ma famille. Et donc, ce que j'entends souvent dire, c'est qu'il faut que nous unissions et fassions l'unification du parti pour l'emporter. Et donc, nous allons rester unis et unifiés en tant que parti, en tant que mouvement. Et je vais être leader comme je l'ai fait par le passé. Monsieur O'Toole, Monsieur Trudeau est en train d'écraser la démocratie. Il dépend 250 milliards de dollars sans rendre de compte. Et le Parlement va se réunir de nouveau à l'automne. Et moi, je le mettrai devant ses responsabilités. Vous vous souvenez du scandale des commandites? Et nous avons commencé à faire en sorte que le gouvernement devienne redevable et qu'il soit mis devant ses responsabilités. Nous le ferons de nouveau. Merci. Deuxième question sera posée à M. Sloan et Mme Lewis. Hello, candidat. Je m'appelle Joseph et je vis dans la circonscription de Milton. En tant que chef, que ferez-vous pour veiller à ce que les conservateurs sociaux peuvent jouer un rôle important dans l'avenir du Parti conservateur du Canada? Bravo. Monsieur Sloan, veuillez répondre. Les questions de conservatisme social sont les questions liées à la famille, aux aînés et aux enfants, et sont ancrées dans nos valeurs. Et les libéraux, eux, veulent nous parler d'avortement et de thérapie de conversion. Un grand nombre de Canadiens sont des conservateurs sociaux. Ils ne croient pas qu'il y ait 72 ou 102 genres. Ils ne veulent pas que ce soit la confusion dans l'esprit de leurs enfants. Souvenez-vous de la majorité que nous avons remportée lorsque Stephen Harper a à peu près pris une position très claire à l'égard de l'avortement. Donc nous pouvons l'emporter en étant clairs sur ces valeurs. Madame Lewis, le conservatisme social est un pilier de notre parti. Et l'une des raisons pour laquelle je me suis présenté, c'est que j'ai vu qu'il y avait la fracture dans notre parti, qu'il y avait le risque que les conservateurs sociaux se fassent écarter du parti. Je crois qu'il est très important que nous comprenions que les gens qui ont des valeurs traditionnelles, religieuses, que toutes ces parties de notre parti jouent un rôle important dans notre démocratie. Et il faut donc maintenir cela au sein de notre parti.
Bien, maintenant, je donne la parole de façon générale pendant 2 minutes, Monsieur Sloan. Bien, nous n'allons pas trop débattre là-dessus, Leslie, mais je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de convergence et d'accord en coulisses, et même avec mes amis à droite, Monsieur McKay et Otto, sont d'accord sur certains points pour dire que il n'est pas vrai de dire que le Canada n'a pas de loi en matière d'avortement, mais simplement il n'est pas conjugué et il n'est pas en phase avec les autres pays. Et donc les campagnes du Parti libéral favorise les fractures. Le conservatisme social présente un large éventail de personnes. Moi, je voudrais qu'on s'appuie sur 4 piliers, l'autorité parentale, les droits démocratiques, la compassion pour les plus vulnérables, responsabilité budgétaire. Et les parents ont le droit de régir leurs enfants et de les élever conformément à leurs valeurs. Et la pierre angulaire de notre société, c'est la famille. Et je pense que nous devrions également, avant même, une charte des droits des parents, afin que les parents puissent défendre ces droits, y compris ceux de leurs enfants, dans tout le pays. Merci Leslie. Et par bien des façons, les libéraux sont allés tellement vers la gauche que on peut citer le projet de loi C8, projet de loi qui risque de même d'emprisonner un parent s'ils veulent qu'ils sont confrontés à un enfant qui a une dysphorie de genre, lui faire suivre une thérapie. Donc, je vous en prie, Dr. Lewis. Le problème est le suivant. En dépit de l'autorité parentale, on risque d'emprisonner un parent parce qu'il a des débats normaux avec ses enfants. Alors, les enfants, qu'ils restent des enfants avec le statut d'enfant. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la question numéro 3. Bonjour, je m'appelle Michel et je viens de Hamilton. Ma question au candidat est: comment pourrons-nous maintenant avoir une bonne protection de l'environnement tout en mettant en exploitation nos ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz? Merci et bonne journée. Dr. Lewis, je voudrais que nos ressources naturelles soient mises en exploitation de façon durable, et j'ai 4 politiques. Tout d'abord, encourager par des incitatifs les entreprises. Ensuite, une bonne réglementation équilibrée. Et je voudrais également que l'on adopte une politique nationale au plan environnemental. Ma politique consiste à faire en sorte que tous les Canadiens disposent d'un air propre, d'une eau salubre et qu'ils vivent sur un sol non contaminé. Monsieur Otto. Excellente question. Il faut que nous trouvions un bon équilibre. Alors, je vais dire les choses clairement. Je vais torpiller la taxe sur le carbone, remporter les élections avec la reprise de nos exploitations et en appliquant un plan environnemental. Ce que ne peut pas faire Monsieur McKay. Monsieur Trudeau nous fait de moins en moins concurrentiel et dicte ses politiques aux provinces. Alors, nous devons respecter ce qui se fait dans les provinces pour abaisser les émissions. Nous voulons maintenant nous remettre sur les rails tout en préservant l'environnement. Bien, maintenant 2 minutes, Dr. Lewis. Ma politique, c'est d'encourager les entreprises à mettre au point des technologies novatrices qui vont permettre de préserver l'environnement tout en favorisant notre économie. Nous devons faire les deux de pair, en parallèle et sans ingérence étrangère. Nous devons stimuler l'activité des entreprises, des grandes entreprises, en investissant dans des technologies innovantes, c'est-à-dire de manière à pouvoir vendre notre lac naturel à l'étranger et abaisser les émissions. Et donc, n'oublions pas, nous allons réduire la dépendance de la Chine à l'égard du charbon. Et nous allons simplifier les procédures. Merci beaucoup. Merci. Nous vous reviendrons pour les dernières secondes. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Lewis. Il y a beaucoup de technologies canadiennes, comme l'énergie atomique, la capture de carbone. Nous pouvons
faire un échange avec les émissions de charbon, la bourse de charbon avec l'étranger. Moi, j'ai appuyé cette notion depuis que j'ai été élue. Je propose aussi une loi stratégique sur les oléoducs qui va permettre au Conseil des ministres de prendre les décisions pour que les projets puissent aller de l'avant. Avec son approche idéologique, Justin Trudeau a tué Energy East, il a tué le pipeline de Northern Gateway et il a acheté un oléoduc. Il faut que ce soit le Conseil des ministres qui prenne ces décisions. Je vais montrer en tant que Premier ministre qu'une pipeline nationale est dans nos meilleurs intérêts. Madame Lewis, je vais m'assurer qu'il y ait une loi habilitante. Nous avons eu des lois qui ont visé des provinces comme l'Alberta, le projet de loi C-68, C-48, C-69. Ces projets de loi ont éliminé notre secteur pétrolier et gazier. Merci, merci beaucoup. Nous allons passer à la quatrième question qui sera posée à M. McKay et M. Sloan. Bonjour. Le Parti conservateur au Canada n'a rien fait pour aider les peuples autochtones. Notre parti peut bâtir des relations fortes avec les communautés autochtones. Quel serait votre plan pour vous attaquer aux questions comme les services de santé mentale et l'eau potable? Merci. Premièrement, nous aimerions que vous vous représentiez. Il faut inclure des personnes de toutes les institutions dans toutes les parties du pays. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles. Nos Premières Nations sont la population qui grandit la plus rapidement au Canada. Il faut de l'eau potable. Il faut que les personnes aient des droits fondamentaux et des possibilités, le droit de travailler. Et je suis d'accord avec M. O'Toole. Il faut des pipelines nationales. Il faut agir en partenariat avec les Premières Nations. M. Trudeau a échoué misérablement avec les Premières Nations. Je suis d'accord. L'eau potable sur les réserves doit être une priorité. Il faut mettre fin à ces avis de bouillir l'eau. De plus, il y a eu des projets de loi controversés, comme la loi sur la transparence. Mais vous savez, la loi sur la transparence, quand on sait où l'argent s'en va, il n'y a plus d'argent qui se rend là où il doit se rendre. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Merci, M. Sloan. 2 minutes pour vous deux, M. McKay. Travailler en vrai partenariat, travailler vers la réconciliation, c'est ce que nous avons fait. Nous avons amélioré les droits de propriété pour les femmes sur les réserves. Nous avons agi pour qu'il y ait de la transparence. Et c'était une façon de nous assurer que les programmes fonctionnaient. Je suis très fière du travail que nous avons fait sur les droits pour les victimes. Il a fallu travailler avec les Premières Nations, les écouter, entendre leur point de vue, leurs rêves, leurs aspirations. Pour nous, c'est une priorité d'aller de l'avant. Nous devons rester engagés de façon sensée avec les Premières Nations. Monsieur Sloan, il faut aussi trouver un moyen de développer les ressources naturelles de façon à bénéficier les réserves. Oui, les projets énergétiques apportent la prospérité. C'est pour cela que je suis contre la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui va ajouter une couche de complexité à l'approbation de ces projets qui apportent de l'argent et des emplois à ces communautés. La responsabilité, la reddition de comptes, la transparence, tout le monde en veut. Nous avons vu les problèmes avec les blocus. Nous voulons des projets sensés qui vont aider les Premières Nations. Une loi de transparence aide sur la transparence aide. J'ai eu des projets dans ma circonscription Nouvelle-Écosse et on a vu l'avantage des projets qui aident les Premières Nations. La Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones ne respecte pas l'autorité provinciale. On a vu le problème que ça a causé avec les pipelines en Colombie-Britannique et c'est un problème qui va revenir maintes fois si cette déclaration est entérinée dans nos lois. Le programme des Rangers des Premières Nations est un exemple excellent de la contribution que les Premières Nations font dans ce pays. La cinquième question sera posée à M. O'Toole et à M. Sloan. Bonjour. Je m'appelle Danju. Je suis de Calgary. Ma question est comme suit.
quel plan avez-vous pour ramener l'investissement vers le Canada? Comment voulez-vous créer des emplois pour nos jeunes? Monsieur O'Toole, 30 secondes. Merci de cette question. Justin Trudeau a pris du retard avec la frontière, avec la réaction économique, et nous voyons le recul que le Canada a pris. Il ne veut pas que le Parlement siège parce qu'il ne veut pas qu'on étudie sa feuille de route. Moi, j'ai un programme détaillé sur l'autosuffisance en équipement de protection personnelle, la sécurité alimentaire. Il faut aussi avoir un libre-échange entre les pays libres. Monsieur Sloan, la COVID-19 a souligné l'importance pour le Canada d'avoir les équipements comme les équipements de protection personnelle, les respirateurs dans nos soins de santé intensifs. Comment est-ce qu'on peut traiter avec le Parti communiste en Chine? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre autosuffisance ici? Nous devons ramener nos chaînes d'approvisionnement critiques vers le Canada. Et nous devons comprendre que ce qui est fait au Canada est meilleur pour le Canada. Monsieur O'Toole, merci. Justin Trudeau est en train de perdre les votes à l'ONU, en train de bouleverser nos alliés, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont en train d'établir un pacte de libre-échange qui permettrait le libre-échange entre nos alliés et les pays libres. Le Parti communiste a manipulé la Chine a manipulé le marché mondial de l'aluminium, de l'acier. J'ai pas posé des questions à la Chambre au sujet de cette manipulation. Le gouvernement Trudeau n'a pas préparé le pays à affronter cela. Nous devons être plus autosuffisants. J'ai travaillé dans le secteur privé sur les échanges commerciaux. Et ma plateforme va reconstruire le Canada, rétablir notre réputation. J'ai un bon plan pour l'avenir. Les consommateurs au Canada et aux États-Unis ont financé la Chine et lui ont permis d'acheter toutes nos entreprises. Je ne traiterai pas avec une entreprise, je ne permettrai pas à une entreprise qui est affiliée avec le régime communiste en Chine d'acheter nos terres ou nos entreprises importantes. Ils sont aussi en train de voler notre propriété intellectuelle. L'entreprise, la société gouvernementale Huawei a commencé à prendre son emprise quand ils ont pu faire leur entrée dans le marché avec le régime 4G. Maintenant, depuis 4 ans, j'ai lutté contre la présence de Huawei dans notre réseau 5G. Nous devons nous assurer que notre infrastructure de sécurité est protégée. Oui, moi aussi, je suis contre la notion de permettre à Huawei de bâtir notre réseau 5G. Sixième question pour M. McKay et pour M. Lewis. Je m'appelle Lisa Cole, je suis de Calgary. Plus d'un million de Canadiens sont affectés ont été affectés par la COVID-19. Est-ce que vous serez pour un caucus sur la démence qui a des représentants de tous les partis? Je dois dire que moi aussi, j'ai un intérêt dans ce sujet. Je vous demanderai non seulement de répondre directement à la question de Lisa, mais de parler aussi du problème que nous avons avec une population vieillissante et l'importance d'une stratégie nationale sur la démence. C'est une question qui touche les personnes de façon très personnelle. Je veux donner aux gens la possibilité de rester chez eux dans la mesure du possible. Je veux qu'ils aient un meilleur accès aux soins de santé à domicile. Je veux voir les aînés avoir des rabais sur leurs impôts pour qu'ils puissent rester chez eux. Je veux qu'ils aient plus d'accès aux soins à domicile quand ils en auront besoin. Voici les changements que j'apporterai. Madame Lewis,
Merci de la question. Il est très important qu'un gouvernement offre la sécurité et la sûreté pour tous ses citoyens, surtout les plus vulnérables. Ceci comprend nos aînés et les gens qui souffrent de la démence et d'autres maladies. Ces jours-ci, on voit ce qui se passe aux aînés. Nous avons vu les conditions inférieures sous lesquelles on les a obligés de vivre. Ça crève le cœur. J'instaurerai des politiques pour assurer que les aînés et ceux qui vivent avec des handicaps soient respectés. Merci. 2 minutes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mme Lewis. Il faut respecter ceux qui ont tellement contribué à ce pays. Je renforcerai le crédit d'impôt pour les handicaps. Tout cela, bien sûr, doit être coordonné avec les provinces qui ont la responsabilité pour les soins de santé. Il faut réduire les coûts des soins institutionnalisés. Il faut donner plus de soins à domicile. Et pour des gens qui ont dédié toute leur vie à nous, ils devraient pouvoir vivre avec dignité. Nous devrions avoir des politiques qui améliorent les soins pour les aînés, qui permettent aux aînés de rester chez eux pendant plus longtemps. Donc, améliorer leur réduction d'impôts pour qu'ils puissent modifier leur domicile. Il faut aussi renforcer les pénalités pour ceux qui néglige les aînés. Il faut des services à domicile. Il faut financer ces services à domicile pour que les aînés puissent rester chez eux pendant plus longtemps. Il faut aussi améliorer les soins palliatifs et engendrer une culture de respect dans ce pays pour nos aînés. Merci. Je crois en tout cela. Une des choses les plus choquantes que nous avons vues pendant cette crise était le rapport des Forces armées canadiennes sur les conditions qu'ils ont trouvé dans les établissements de soins de longue durée privés et publics. Et c'est quelque chose qu'il faut affronter de façon sensée. Je suis un ancien procureur, ancien ministre de la Justice. Les gens qui négligent les aînés de façon délibérée ou qui permettent ces conditions à persister doivent être pénalisés. Il y a tant de choses que nous pouvons faire au niveau fédéral. Nous pouvons améliorer les codes de bâtiment pour que les résidences aient une meilleure ventilation, par exemple. Nous devons nous assurer de ne pas imposer l'euthanasie sur ces aînés parce que certains se sentent obligés de soulager le système de leur présence, soulager leur famille de leur présence. Nous devons les appuyer. Merci. Ceci conclut la partie face à face de notre débat. Maintenant, nous allons commencer la deuxième partie du débat où tous les candidats pourront répondre à chacune des questions. Chaque candidat aura 2 minutes. Après cela, il y aura une période de 5 minutes de débat vif mais civilisé. Bonjour, je m'appelle Max. Aujourd'hui, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi vous les êtes le Premier ministre du Canada. Merci. Monsieur O'Toole, allez-y. Expliquez à Max pourquoi vous voulez être Premier ministre. Merci, Max. Il se peut qu'un jour, vous serez Premier ministre. Moi, je suis patriote. J'adore ce pays. C'est pour ça que je me suis joué aux forces armées quand j'ai été jeune. Et c'est pour cela que je suis si fière de représenter ma ville au Parlement. Mais c'est à nous de préserver ce monde, de le conserver pour votre génération, de le protéger. Et je suis très inquiet de ce que fait le Premier ministre Justin Trudeau, parce qu'il va laisser votre génération avec des milliards de dollars d'endettement, même avant la crise de la COVID-19. C'est votre génération qui me donne de la force. J'ai un fils Jack qui a à peu près ton âge. J'ai une fille Molly. Nous voulons qu'ils aient tous les mêmes possibilités au Canada que nous avions quand nous avions ton âge. Et c'est pour cela que je me présente. Hier soir, M. McKay a dit que j'étais un homme en colère, mais je suis en colère avec ce que Justin Trudeau a fait de ce pays. Quand nous avons perdu les élections en 2015, nous avons eu un indice d'unité nationale très élevé. Tout le monde avait des emplois, tes parents, tout le monde. Maintenant, le Bloc québécois, un parti séparatiste, est de nouveau le troisième parti à la Chambre. Il y a de la colère dans l'Ouest. On les entend parler de séparation. Nous sommes
plus pauvres et moins respectés sur la scène mondiale. Donc moi, je veux m'assurer que nous restions le meilleur pays du monde, comme Sir John A. Macdonald avait dit il y a plus d'un siècle. C'est pour ça que j'ai un plan détaillé pour reconstruire le Canada après la crise de la COVID-19, pour établir notre réputation sur la scène internationale et pour offrir une aide concrète aux familles et aux aînés qui ont été laissés pour compte par Trudeau, même pendant qu'il dépense des milliards. Monsieur McKay, vous avez 2 minutes pour répondre à Max. Merci, Max. J'ai une réponse très courte. Je veux le faire pour toi. Pour ma génération, pour ceux qui viennent au Canada trouver une nouvelle vie, pour ceux qui ont une expérience du Canada, une vie qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur pays d'origine. Comme a dit M. O'Toole, nous avons le plus grand pays du monde, le meilleur pays du monde, mais nous ne pouvons pas le prendre pour acquis. Je partage les préoccupations de tous ces candidats. Je suis très inquiet de la direction dans laquelle le Premier ministre nous amène, le Premier ministre Justin Trudeau. Nous devons revenir à ce qui est fondamental. Les priorités de ce pays, des emplois pour toi à l'avenir, Max. Il faut que tu aies accès à l'éducation, aux soins de santé pour que tu puisses grandir et réaliser tes rêves en tant que Canadien. Et une chose qui va nous empêcher de faire cela, c'est si nous restons divisés. Je ne sais pas si tu joues au hockey ou si tu joues au soccer, mais ce qui est important, c'est d'agir comme une équipe, de passer la balle à quelqu'un d'autre. Si ça va aider l'équipe, les conservateurs peuvent bâtir ce pays comme nous l'avons déjà fait et comme nous le ferons à l'avenir. Nous revenons à nos principes fondamentaux. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres, trouver de vraies solutions qui vont faire une différence dans ta vie, dans la vie de tes parents, dans la vie de ta famille. Et nous ne devons pas penser à ce qui nous divise. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit. Le Canada a des ressources, des libertés. Et nous devons les protéger, les renforcer, continuer à faire croître ce pays pour que toi et ta génération puissent saisir toutes sortes de possibilités. Nous sommes acceptés et admirés partout dans le monde, même avec le manque de leadership de Justin Trudeau, qui a couru derrière son siège aux Nations unies et a négligé de relancer l'économie. Moi, j'ai un plan de 8 points. Qui va nous remettre sur les rails et redonner de la force à ce pays. Monsieur Sloan, à vous la parole. Merci. Max, nous vivons pendant une période très intéressante et comme tous les conservateurs, je suis optimiste, mais le présent est préoccupant. Il y a tant de choses qui se passent en ce moment. Nous venons de sortir de la pire pandémie que nous avons vue. Nous voyons que ça revient en Chine. Nous voyons une culture de correctitude politique, de politiquement correct, des algorithmes qui dirigent les gens d'une façon ou d'une autre dans nos furteurs. Ce sont des choses assez inquiétantes et effrayantes. Le Canada, d'après moi, peut être le pays qui a le niveau de vie le plus élevé, les taux d'imposition les plus faibles. Et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Nous ne pouvons pas le faire quand notre industrie énergétique et quand nos ressources naturelles ne sont pas exploitées et développées. Nous devons sortir des ententes que nous avons signées qui nous sapent la souveraineté. Nous devons sortir de l'accord de Paris. Nous devons éliminer C-69, C-16, C-48. Je vais toujours promouvoir une culture de liberté. Je dénonce la culture de division que nous voyons. Nous avons même vu que ça arrive dans notre parti. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, qu'ils soient des conservateurs sociaux, qu'ils soient différents. Il faut que notre parti agisse comme une seule grande équipe. Je suis sûre que nous pouvons y arriver, mais nous allons devoir régler quelques questions controversées que les libéraux aiment mettre devant nous. Si nous ne réglons pas ces questions, nous ne pourrons pas avancer. Mais une fois que nous l'aurons fait, les meilleures journées du pays nous attendront. Bien, Madame Lewis, pour nous dire pourquoi vous voulez être Première ministre. Je pense que les enfants sont notre avenir. Il faut que nous leur enseignions de la bonne façon.
pour qu'ils bâtissent l'avenir. Moi, je veux être première ministre parce que je veux que notre pays, que le pays où j'ai grandi, soit là pour mes enfants. Et au cours des dernières années, je me suis inquiété, au cours de des 5 dernières années en particulier, j'ai vu ce pays prendre un mauvais tournant et j'ai vu que le rêve canadien s'étiolait. Et moi, je veux, Max, que tu aies un avenir, l'avenir que je me promettais, Max. Je suis fier d'être canadienne, Max, et je m'inquiète lorsque je vois des gens qui disent « Oh, il n'y a pas lieu d'être fier d'être canadien ». Moi, je veux que nous soyons fiers d'être canadiens. Et donc, je peux vous dire que la structure même fondamentale de notre pays est maintenant en train de se désagréger. Alors, tout cela est en train de nous attaquer. Alors, je pense que demain, c'est toi qui auras les responsabilités. Eh bien, je veux que tu puisses avoir un bon avenir en assumant ces responsabilités de la même façon que moi, j'ai eu un bel avenir. Et que tu puisses un jour, le rêve d'être un jour ici, à ma place, et peut-être te présenter pour devenir le Premier ministre du Canada. Mais pour que cela se produise, il faut que nous veillions à avoir de bonnes politiques économiques, que nous nous occupions des plus faibles chez nous, que nous occupions nos enfants, que nous protégions notre environnement, que nous bâtissions un avenir solide pour des enfants comme toi, Max, parce que c'est toi qui représentes notre avenir. Et je pense que ta vie, tes progrès, ta santé, ton bien-être sont des choses qui nous importent. Merci. Bien. Bravo. Nous avons même un peu de temps en plus. Donc maintenant, nous allons un peu plus de souplesse pour avoir une discussion peut-être plus détaillée et plus vivante sur les raisons pour lesquelles vous voulez être Premier ministre. Eh bien, Monsieur O'Toole, eh bien, merci encore, Max. Il y a quelques semaines, j'étais à la Chambre des communes et je voulais que l'on renforce un peu le régime de sécurité de la vieillesse. Et quelques semaines plus tard, ils l'ont fait parce que les aînés ont eu du mal avec la COVID-19, comme un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Donc je pense qu'il faut mettre le gouvernement devant ses responsabilités et que nous devons avoir des subventions qui permettent de sauver des emplois, peut-être même l'emploi de ton papa ou de ta maman. Et donc il faut que nous aidions davantage les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement n'a pas prêté l'oreille, malheureusement. Nous voulions également fermer la frontière en janvier pour empêcher la contamination provenant du Sud. Mais le gouvernement Trudeau ne nous a pas écoutés. Et donc notre démocratie, et maintenant, elle bat de l'aile parce que le gouvernement Trudeau ne peut pas être mis devant ses responsabilités. Et donc, moi, je dirais que, comme plateforme, j'ai que nous voulons rebâtir le Canada, restaurer notre réputation et aider les familles, aider les aînés, comme nous avons pu le faire en défendant également qu'il y ait le supplément de revenus garantis et le revenu garanti de vieillesse pour tes parents et grands-parents. Donc, nous voulons mettre le gouvernement devant ses responsabilités, M. Trudeau aussi, et je suis prêt à le faire et à le battre au mois de septembre. En effet, c'est ça le sujet central. Et c'est fou ce que l'on peut faire une fois que l'on est au Parlement du Canada. Et tous ces candidats nous parlent d'idées, de thèmes qui sont très importants, qui ont un effet sur toi, sur nous les Canadiens, sur le monde entier. Mais il faut vraiment mettre en œuvre ces politiques, mettre en œuvre toutes les lois que nous adoptons. Moi-même, j'ai été membre du cabinet gouvernemental en plein cœur de la dernière récession en 2008 et 2009. Et nous en sommes sortis avec un budget équilibré. Certes, nous avons fait toutes les dépenses nécessaires pour stimuler l'économie, ce qu'on appelle le deficit spending. Et puis, nous en sommes ressortis comme l'un des pays les plus vigoureux économiquement au monde. Et nous avons pu rebâtir le pays, nous appuyer sur nos ressources naturelles pour en tirer des avantages et fixer des normes pour le monde entier, donner l'exemple et venir en aide à Haïti, renforcer nos forces armées canadiennes et promouvoir la liberté, la sécurité dans le monde entier. Nous sommes intervenus comme libérateurs en Afghanistan et nos soldats ont donné la protection nécessaire pour bâtir des écoles, vacciner les enfants et quitter les endroits où ils ont été en garnison plus forts, mieux pacifiés. Nous voulons un monde qui soit meilleur pour toi, pour tes parents et pour toute la génération. Comme l'a dit Mme Lewis, nous voulons que le Canada soit un pays dont tu puisses être fier comme nous sommes fiers de notre pays.
Je te dirai, Max, qu'il faut que tes parents aient l'autorité de t'éduquer, de t'élever en fonction de leurs valeurs, parce que ce sont eux qui te propulsent dans la vie. Ce sont les parents qui aiment les enfants, pas les gouvernements. Et donc, les gouvernements ne doivent pas venir s'ingérer dans la façon dont tu es éduqué par tes parents. Et puis, Max, nous avons vu que notre démocratie a été continuellement sapée, privée de ses valeurs démocratiques, de ses principes fondamentaux, dont la liberté de religion, et la liberté de conscience, la liberté d'association. Et donc, moi, je pense que nous sommes élus, nous, pour être à votre service, à ton service, à toi aussi, et donc il faut que tes droits soient respectés. Mais il faut aussi que nous sachions faire preuve de compassion, et parce que tes parents eux-mêmes vont vieillir, et ils seront des aînés, et peut-être ne pourront-ils plus subvenir à leurs propres besoins. Eh bien, nous devons leur rendre ce qu'ils nous ont donné, la contribution qu'ils ont faite à notre société, parce qu'ils deviendront vulnérables. Et puis, nous devons aussi protéger notre environnement, parce que notre environnement, c'est ce qui nous permettra de te le transmettre en bonne condition, cet environnement. Je suis d'accord avec Mme Lewis. Ce qui est important, c'est la façon dont nous sommes en train de vendre le Canada morceau par morceau. Je pense en particulier à Toronto métropolitain. Regarde la façon dont l'immobilier a augmenté, a explosé, devrais-je dire, dans ce secteur du Canada. Regardons les chiffres, regardons le niveau d'immigration. Et donc, cette immigration est plus forte en moyenne que dans la plupart des pays développés. Et nous voyons maintenant qu'il n'y a pas suffisamment d'adéquation entre l'offre et la demande de logements. Alors, peut-être faut-il réduire l'immigration de manière à avoir des logements qui soient abordables, parce que sans logements abordables, nous ne pouvons pas vivre, travailler et profiter de la vie, comme nous avons le droit de le faire. Et puis, je voudrais m'en prendre maintenant à l'accord de Paris qui est en train de brader notre industrie du pétrole et du gaz. Ils veulent arriver à un bilan zéro net d'ici 2050. Mais en fait, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut maintenant complètement oblitérer notre secteur de l'énergie. Max, je m'inquiète beaucoup de ta génération et que ta génération soit écrasée, croule sous les dettes. Et c'est un gouvernement en ce moment qui est en train de faire exactement cela, de vous endetter. Donc il est important que nous ayons des politiques budgétaires solides. Et mes politiques budgétaires veilleront à ce que les générations à venir comme la tienne ne soient pas trop endettées, afin que tu aies la possibilité de bien te développer, que tu aies les mêmes chances de réussir que moi j'ai eues. Une bonne partie de ces chances, Max, viendront de la technologie et des emplois de l'avenir. Et toi, tu fais partie d'une génération qui sera la mieux instruite, qui aura peut-être le monde à portée de main, le monde entier, parce que cette technologie fait notre force et ne pas la suivre, ce serait nous rendre vulnérables. Mais il faut aussi que nous fassions attention aux vulnérabilités que crée la technologie. Je sais que tu aimes bien jouer à certains jeux en ligne, devant un écran, mais ça crée des vulnérabilités. Et il y a de nouvelles vulnérabilités. Je peux vous dire que mon fils était beaucoup plus attiré par le lancement de la saison Fortnite que par l'école. Et donc, je voudrais que l'on fasse la déductibilité des dépenses familiales pour que les parents puissent profiter de l'éducation. Parce que, comme l'a dit Derek, ça coûte cher de vivre en ville, ça coûte cher de vivre un petit peu dans les banlieues. Donc, aider les parents par des crédits d'impôt, ça, c'est au cœur même de ma politique budgétaire. Bien, j'espère que vous aurez des réponses. Tu as eu assez de réponses de nos candidats. Question numéro 8. Je m'appelle Jesus. J'habite Ottawa, Ontario. Voici ma question. Que pensez-vous de la lutte contre le racisme et que feriez-vous dans ce domaine? Je crois qu'il faut bien que nous reconnaissions l'idée que le racisme systémique existe dans notre pays. Moi, j'ai grandi dans une petite ville, New Glasgow, et c'était notre honte d'avoir exclu Viola Desmond d'un cinéma. Et donc, je crois qu'il est important de comprendre qu'il faut écouter, donc nous aussi, de faire un grand effort
de sensibilisation et éliminer les barrières, parce que le moment est venu d'agir. Le moment est venu de respecter les points de vue des uns et des autres sur la façon dont on peut bâtir un pays plus inclusif, parce que nous avons une magnifique réputation au Canada, parce que nous avons ouvert nos portes et nos bras aux gens qui venaient. Mais il reste encore trop de chemin à parcourir pour l'égalité dont ne jouissent pas les Premières Nations. Et donc nous avons à faire dans nos maisons, dans les écoles et également sur la place publique. Et alors, regardez, nous avons un Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en Aladdin avec un costume, un visage sombre, blackface. Eh bien non, je crois qu'il faut que... Il n'est donc pas qualifié. Il faut que nous ayons davantage de discussions, que nous le fassions représenter dans nos institutions par davantage de personnes qui sont les représentantes de ces minorités et de celles qui sont victimes du racisme, parce qu'il y aura des débats devant la justice, dans le monde des affaires, au sein des institutions gouvernementales. Nous voulons donc investir de manière à veiller à ce qu'il y ait également un meilleur équilibre mental garanti pour les personnes qui en souffrent à cause de la discrimination, et que les gens ne subissent pas les conséquences de leur lieu d'origine ou de leur conviction, quelle qu'elle soit. Et donc, il faut que nous ayons des discussions honnêtes et parfois épineuses, c'est sûr. Le Canada a commis des erreurs par le passé, mais c'est aussi un pays ouvert, c'est un pays très diversifié et qui s'efforce toujours d'être le meilleur possible. Et je pense que nous avons un problème de racisme au Canada, qu'il y a des racistes au Canada, comme dans un grand nombre de pays, comme dans tous les pays au monde. Mais je ne crois pas que l'on puisse dire que le Canada est un pays raciste. Je pense que le Canada est un phare pour la liberté et dans le monde, et que donc il y a un grand nombre de choses que nous avons faites qui font de nous un exemple. Et j'aimerais évoquer une question dont je pense qu'elle est importante. Parce que nous avons une forme de racisme systémique au Canada. Et quoi? C'est la loi 21, la violation des droits des minorités, qui s'en prend aux Juifs, aux Sikhs et à d'autres minorités. Je pense que cela constitue un problème. Et je pense que cela risque de nous nuire au Québec. Moi, je respecte la compétence provinciale, mais cette loi 21 est quelque chose que je n'apprécie pas, qui nous nuit, et je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour préserver la culture unique du Québec. Eh bien, je dirais qu'il est important que l'on prenne un engagement là-dessus, parce que c'est un... Madame Lewis. Le racisme, la discrimination, ça existe dans toutes les sociétés. Et malheureusement, le Canada n'y fait pas exception. Mais il faut faire une distinction entre le racisme contre l'individu et le racisme systémique. Parce qu'un grand nombre de personnes réagissent à la question sur le racisme systémique en disant « mais moi, je ne suis pas raciste ». Mais ça n'est pas la question. Parce que le racisme systémique, c'est quelque chose, c'est un concept différent. Il s'agit des résultats négatifs pour tout un ensemble de personnes. Lorsque nous examinons notre système, nous devons pouvoir dire que nous avons eu les internats pour les enfants autochtones au Canada. Il y a des différences dans le système éducatif et ceci risque d'avoir un corollaire, un lien avec la race. Prenons le cas des représentants des Premières Nations. Lorsque un représentant d'une Première Nation est inculpé du même délit que quelqu'un qui n'est pas représentant, qui n'en fait pas partie, eh bien, il risque d'avoir une condamnation plus lourde. Il y a davantage de chances de risque de toxicomanie. Et donc, il faut dire que le système induit ce genre de différence. Le Canada est le meilleur pays du monde, certes, mais ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas la possibilité de ne pas la possibilité de l'améliorer. Et donc, je pense qu'il faut que nous nous écartions de la crainte d'ébranler notre système. Tous les systèmes sont imparfaits et méritent d'être amendés, d'être réformés. Et nous devons réformer nos institutions, la police, par exemple. Nous devons enseigner de façon différente. Nous devons juger de façon différente pour avoir de meilleurs résultats. Monsieur O'Toole,
Merci, Jesus, de cette question. Je pense que c'est une question importante et qui fait partie des débats dans la famille, y compris notre fille, Rebecca. Et donc, il faut que nous soyons là en train de vivre selon nos idéaux. Et je crois que les conservateurs sont particulièrement bien placés pour se faire les champions de cette démarche, parce que nous n'avons qu'un principe intrinsèque de respect du travail, des chances de chacun et de la liberté. Et donc, nous avons des gens qui viennent s'unir sous la bannière conservatrice en disant zéro tolérance pour le racisme, zéro tolérance pour l'antisémitisme. Nous voulons que ce soit le mérite qui soit le catalyseur du succès, non pas la couleur de la peau ou l'origine ou la religion. Il faut que nous soyons le Canada qui nous corresponde et nous devons toujours essayer de l'améliorer. Et je pense qu'il faut mettre la réconciliation au cœur de notre activité, de nos valeurs. Et Justin Trudeau aime bien les gestes symboliques, comme par exemple enlever le nom d'un des pères de la Confédération de la devanture d'un édifice. Mais le lendemain, eh bien, il achète et il refuse sans consultation certains projets, comme il l'a fait pour Northern Gateway. Il enlève du travail aux gens. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait participation, collaboration, pour tirer le meilleur parti des chances qui sont offertes au Canada. C'est pourquoi, en tant qu'avocat d'affaires, eh bien, souvent, je me suis aventuré dans le domaine des affaires des nations autochtones. Moi aussi, j'ai été militaire. Mais quand quelqu'un te protège par derrière, when he has your back, quand il est là, qu'il te soutient et qu'il te protège par derrière, c'est ça la bonne façon dont il faut être Canadien, s'appuyer les uns les autres, coude à coude, et essayer d'être le meilleur pays au monde. Alors maintenant, pendant 7 minutes, nous commençons par M. McKay. Je pense que, eh bien, il faut revenir à la notion de collaboration qui nous est inspirée par la question de Jesus, qui a posé la question. Et donc, cela a été évoqué par Mme Lewis et également par M. Homo. Eh bien, moi, j'en ai parlé avec ma femme qui est venue au Canada comme enfant et qui s'est posé ces questions-là. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de prêter l'oreille. Et donc, essayer de se mettre à la place de notre prochain. Nous devons le faire en profondeur et en parler à nos enfants. Et donc il ne s'agit pas maintenant de rejeter les gens qui sont un peu intolérants. Et nous ne devons pas nous montrer intolérants envers l'intolérance. Non, il faut nous montrer tolérants. Même envers la police, parce que la police a comme tâche ingrate peut-être d'appliquer la loi et de défendre notre ordre. Je pense qu'il faut appuyer les services sociaux, faire les investissements nécessaires dans l'éducation et la sensibilisation. Mais n'oublie pas qu'il y a des héros comme Hadi Stevenson en Nouvelle-Écosse, David Wen en Alberta. Ce sont des gens qui ont été prêts à donner et qui ont donné leur vie. Voilà, ce sont des gens aussi courageux que ceux qui ont lutté contre la COVID-19. Donc, si on prive la police des budgets dont elle a besoin, eh bien, nous ne rendrons pas un service à notre pays, parce que ce sont ces gens qui permettent de faire respecter l'autorité dont nous avons besoin. Il faut aussi que nous ne nous engagions pas dans des concours de vertu. Le Premier ministre reste le Premier ministre et donc il a quand même les moyens d'apporter des changements de fond. Et alors, s'il veut faire quelque chose concernant l'amélioration de notre pays, il peut le faire. Donc, il est très important que nous nous fixions des objectifs réalistes. Et je ne crois pas que le fait de réduire les objectifs, les budgets de la police soit une option viable, parce que à ce moment-là, nous risquons de nous exposer. Donc, nous voulons que s'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de la police, eh bien, que nous œuvrions ensemble en tant que pays pour être sûrs de la renforcer plutôt que de la démolir. Oui, il faut que l'on agisse véritablement. Et c'est pourquoi, en tant que député, en tant que représentant de l'esprit public, nous aidions le Canada à devenir ce que nous avons comme idéal de ce pays.
Et donc, regardez les conférences de presse de Trudeau, du Saint-Trudeau, qui, jour après jour, mois après mois, nous dit « restez à la maison », et lui-même, pour des raisons politiques, ne suit même pas ses propres consignes. Ça, ce n'est pas du leadership. Il faut quand même qu'il montre que les lois, les règles sont les mêmes pour tout le monde, qu'il n'y a pas de poids et de mesure, et que donc... Que tous soient représentés. Et moi-même, lorsque j'étais militaire, je l'ai constaté. J'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire, par exemple, pour ce qui est de l'égalité entre les sexes. Et dans la profession juridique, les femmes n'étaient pas promues de la même façon que les hommes. Donc, je crois qu'il y a un grand nombre de choses que nous pouvons faire. Et je suis d'accord avec Mme Lewis, il faut agir. Il faut que l'on établisse un plan et qu'on le démontre en l'appliquant. Il y a parfois des circonstances particulières, mais il faut que l'on s'engage et que l'on s'engage pour longtemps. Je suis d'accord avec Mme Lewis. Et avec Peter au sujet des services de police. La brutalité par la police est tout à fait inacceptable. Je suis contre la façon dont George Floyd et d'autres ont été traités sans pitié par la police. Mais nos services de police veulent en général, d'après moi, protéger notre communauté. Je suis contre la coupure de leur budget. J'accepte bien sûr les manifestations paisibles, mais il y a eu des manifestations dans ce pays et surtout aux États-Unis qui ont promu la violence. Je suis tout à fait contre cette forme de criminalité. Pour moi, Antifa agit comme un organisme terroriste puisqu'ils sont en train de promouvoir le pillage. Nous avons une possibilité unique dans ce pays parce que nos valeurs appuient l'élimination de la discrimination. Notre parti croit dans l'égalité des chances et des résultats. Nous estimons que les résultats doivent être égaux de façon systémique. Donc nous ne détruisons pas les systèmes, nous travaillons pour les améliorer. C'est ce que nous devons faire. Tant de Canadiens ont été blessés par... le fait que Justin Trudeau a dit que les Canadiens sont racistes. Beaucoup de Canadiens ont tant de bonnes intentions. Ils veulent travailler avec leurs frères et leurs sœurs dans ce pays pour améliorer le pays. Quand on commence à étiqueter les gens, à leur coller des étiquettes, ça ne fonctionne pas. Certains systèmes donnent des résultats négatifs, mais nous pouvons améliorer ces systèmes en agissant comme une famille. Pour moi, le conservatisme est basé sur l'égalité des chances. Si on ne voit pas l'égalité de résultats, on peut le souhaiter, mais les gens seront toujours différents. Il y aura toujours des gens un peu plus grands, un peu moins grands, ceux qui font leur devoir, d'autres un peu moins bien, certains travaillent plus fort que d'autres. C'est pour ça qu'il faut un système qui n'est pas équitable envers tout le monde, mais qui respecte le fait que le temps, la chance, le travail donnent souvent des résultats différents. Donc pour moi, c'est l'égalité des chances qui compte. Je suis d'accord. Je crois en la responsabilité personnelle, mais ce n'est pas de ça que je parle quand je dis améliorer les systèmes. Nous devons reconstruire la famille. La famille est là avant qu'un enfant se retrouve en contact avec une institution. Il faut que les enfants soient élevés avec les valeurs fortes, les valeurs qui leur donnent ce qu'il leur faut avant que les enfants se retrouvent dans les institutions. Certainement, le mérite, le travail, les valeurs. Nous adhérons à toutes ces valeurs, mais il faut reconnaître les biais inconscients qui existent et il faut travailler à les éliminer. Quand nous voulons voir les gens progresser avec leur mérite de façon inclusive, nous devons nous assurer qu'ils aient des systèmes équitables. La question numéro 9. Merci. Je m'appelle Joanne Thibault. Je suis de Victoria, en Colombie-Britannique. Le premier ministre a pris une série de décisions rapides pour gérer le Canada pendant la crise du COVID-19. Quelle décision, d'après vous, n'était pas une bonne décision et qu'auriez-vous décidé à sa place? Monsieur Sloan, vous avez 2 minutes.
Cette question a été faite pour moi, je crois, comme vous avez dû comprendre pendant les derniers mois. Premièrement, ce gouvernement a pensé qu'il n'y avait aucun danger. Ils ont écouté tout ce que l'OMS avait à leur dire, l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qui est compromis par la Chine communiste. Et maintenant, nous comprenons que nous ne pouvons pas les entendre. Nous ne pouvons pas avoir de bons conseils d'un organisme qui est sous l'influence du Parti communiste chinois. Nous savons, par exemple, que le Taïwan... Je suis content de savoir qu'on peut dire le mot Taïwan parce que certains libéraux ne veulent pas le prononcer. Taïwan a pris des mesures très rapidement pour restreindre les voyages et dépister la maladie. Ils ont eu moins de 10 décès. Ils ne sont pas loin de la côte de Chine. Donc, nous aurions dû recommander le port de masque, la distanciation sociale très tôt. Si nous avions fait tout cela très tôt, si nos restrictions de voyage auraient été établies plus tôt, il n'y aurait pas eu cette fermeture économique, ce confinement économique. Nous ne pouvons pas nous retrouver là. Nous devons avoir des stratégies de dépistage en place. Nous devons avoir des experts qui nous donnent les bons conseils. Nous ne les avions pas cette fois-ci et c'est pour cela que nous avons fini avec une paralysie économique qui était en fait le rêve de Justin Trudeau parce qu'il peut distribuer de l'argent à droite et à gauche et se voir monter dans les sondages. Mais nous allons l'attaquer avec ce qu'il a fait. Il y aura un déficit de presque 3 billions de dollars. Madame Lewis, 2 minutes. Merci de cette question. Même si nous étions en crise, ce qu'il fallait faire, c'était une évaluation d'impact avec coût pour savoir quels seraient les coûts de ces mesures et établir un budget. C'était la responsabilité de notre ministre des Finances. Parce que comme ça, nous n'aurons pas été pris avec de nouveaux impôts à l'avenir. Nous aurions dû fermer les frontières rapidement, ramener les Canadiens au pays, les mettre en quarantaine. Nous devions nous baser sur nos propres données, pas les données qui sortaient de la Chine et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avions besoin d'une meilleure stratégie de préparation pour les situations d'urgence. Nous avions besoin d'une chaîne d'approvisionnement dans notre secteur manufacturier qui pouvait nous aider avec nos équipements de protection personnelle. Nous aurions dû fermer les frontières beaucoup plus rapidement. À cause d'une attitude politiquement correcte, il a fallu beaucoup trop longtemps pour fermer les frontières. Et moi, j'ai contesté cette décision. Il ne fallait pas prendre une décision qui était basée sur la sécurité publique, dont la sécurité publique dépendait pour des raisons politiques. Nous étions en déficit pendant des années prospères. Après ces 5 ans de prospérité, nous aurions pu avoir un surplus qui nous aurait empêché d'être en crise avec un endettement tellement profond. Nous avons eu beaucoup de mauvais renseignements. Le port de masque aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Nous aurions dû voir ce que faisaient les pays comme la Corée du Sud, le Taïwan, Hong Kong, voir ce qu'ils faisaient, voir leur réussite, au lieu de nous baser sur les données sortant de la Chine. Monsieur O'Toole, avec quelle décision n'étiez-vous pas d'accord et qu'auriez-vous fait? C'est difficile trouver ou parler d'une erreur que Justin Trudeau a fait pendant cette crise dure. Mais moi, je dirais que c'était la fermeture de la frontière, les restrictions sur les voyages. En février, j'ai établi un plan détaillé pour arrêter les vols de la Chine, de l'Italie, d'autres pays qui avaient un taux élevé d'infection et de préparer le système d'assurance-emploi pour les gens qui devaient aller en quarantaine. Mais en mars, Justin Trudeau disait encore à tout le monde qu'il n'y avait
pas de raison de s'inquiéter et qu'il n'y avait aucune nécessité de fermer les frontières. En fait, ce qu'ils ont fait, c'était causer des difficultés à des premiers ministres provinciaux comme M. Legault qui ont dû appuyer les conséquences de cette erreur avec leur système de santé. La crise et la réaction à la crise économique a été lente et a été incohérente. Ils ont dépensé des milliards de dollars plus que nécessaire parce qu'ils ont pris si longtemps à réagir. Il y a 2 ans, j'ai déjà posé des questions à Justin Trudeau au sujet de la manipulation de l'Organisation mondiale de la santé par la Chine. J'ai dit qu'ils étaient en train d'exclure le Taïwan de toute stratégie de pandémie. J'ai dit qu'il y avait une crise qui s'en venait. C'est un des cas les plus évidents de faillite de leadership que j'ai jamais vu. Mon plan a un élément de résilience, d'autosuffisance, de rééquilibrage de nos échanges commerciaux avec d'autres pays. Nous devons faire plus. Dans le monde libre, je demande depuis des années, je fais appel à la réforme de l'ONU. Moi, en tant que Premier ministre, je serai prêt. Monsieur McKay, c'est une question très importante. Qu'est-ce qui aurait été fait différemment avec un gouvernement conservateur? Nous n'aurions pas dû fermer le Parlement. Justin Trudeau n'aurait pas dû éviter de donner une reddition de comptes. Mais toutes ces idées sont vraies. Si nous avions fermé les frontières plus rapidement, si nous avions établi une stratégie de dépistage plus rapidement, s'il y avait eu un effort coordonné avec les provinces, si nous avions collaboré plus avec nos alliés dès le début, nous n'aurions pas eu dépendre seulement de renseignements qui étaient filtrés par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des pays qui ont bien réussi, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Il y avait beaucoup de signes que c'était quelque chose qui pouvait se reproduire. N'oublions pas le SRAS, H1N1. Nous aurions dû préparer des stocks d'équipements de protection personnelle. Quand nous avons reçu nos équipements de protection personnelle, ces avions auraient aussi dû avoir Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus en Chine depuis si longtemps. Mais toutes ces idées auraient pu être exprimées au Parlement. Il y aurait pu avoir des comités qui auraient pu débattre de ces notions. C'était là qu'il fallait faire tout cela. Avant le début de la vraie crise, en tout cas, jeter des poignées d'argent dans toutes les directions pendant une économie n'est pas utile. Nous avons commencé notre mandat en déficit pendant une crise financière et nous avons fini avec un budget équilibré. La santé financière est très utile pour la santé économique. Et ce que vous allez voir sont des mesures, des améliorations positives pour notre pays et pour notre avenir. Merci. Il y a beaucoup de questions de liberté civile dont nous parlons. La question que j'entends le plus souvent de conservateurs des quatre coins du pays, c'est ça, est-ce que j'appuie les vaccins obligatoires? C'est une question qu'on pose beaucoup dans des endroits différents. On voit le Canada agir en partenariat avec une entreprise chinoise qui est affiliée avec les forces armées chinoises. Donc, je me demande comment ça peut se faire. Je n'appuierai jamais les vaccins obligatoires pour les Canadiens. Et des façons de suivre l'emplacement des citoyens. On voit des entreprises comme YouTube qui disent si vous émettez une vidéo qui n'est pas d'accord avec les conseils du gouvernement, eh bien, nous n'allons pas les afficher. Il y aurait pu avoir des vidéos qui conseillaient le port de masque tôt dans la pandémie. Est-ce que YouTube les aurait descendus? Vous savez, les autorités peuvent avoir tort. Il faut toujours remettre en question ce que dit le gouvernement.
Est-ce qu'on est supposé croire tout ce qu'on entend? Non, absolument pas. Mais c'est une société libre. Nous ne pouvons pas permettre que les entreprises des médias sociaux tordent la vérité. Il y avait des vidéos qui montraient l'origine du virus, qui montraient les différentes façons de compter les chiffres et qui ont été enlevées des médias, et je ne suis pas d'accord. Le partage d'informations est très important. Nous pouvons le faire si rapidement. Et c'est pour cela que nous aurions dû chercher d'autres sources de renseignements et ne pas nous baser seulement sur ce que nous donnait l'OMS. Il faut prendre des mesures pour améliorer l'économie, pour payer les nécessités dont les Canadiens auront besoin à l'avenir, pour que les gens puissent retourner au travail, pour profiter des avantages que nous avons dans ce pays, notre capacité en ressources naturelles. Nous aurons besoin, le monde aura besoin de nourriture et d'énergie. Nous avons les deux et nous pouvons même les offrir à d'autres parties du monde et les aider. Ça va aider avec l'environnement, la santé des êtres humains, la réduction de gaz à effet de serre. Il y a des pays qui dépendent de nous pour faire ce qu'il faut. Ce pays a été en chef de file, un pays généreux. Le Taïwan devrait faire partie de l'Organisation mondiale de la santé. Nous devrions contester ce que fait l'ONU et non seulement les appuyer. Nous devons réformer notre économie. Il faut que nous puissions nourrir notre population. Je vais laisser à M. O'Toole réagir. Depuis 4 ans, je dis qu'on réforme les Nations Unies en leur donnant moins d'argent. J'ai vu les problèmes qu'ils ont eus avec les missions de maintien de la paix. Regardez ce qui s'est passé à Rwanda. Il y a eu des scandales de corruption au sein de l'ONU. Les pays libres du monde doivent s'unir et dire qu'ils ne vont pas permettre aux mauvais acteurs de diriger ces institutions. Nous avons entendu l'Australie là-dessus, mais Justin Trudeau était tellement obsédé par son projet de vanité. Il voulait cette place au Conseil de sécurité. Et il a mis tout le reste de côté. Ce qu'il faut sur la scène mondiale, c'est du vrai leadership. Nous devons rétablir notre réputation. J'ai servi ce pays dans notre marine avec nos alliés. Nous devons améliorer ces institutions, les institutions comme l'ONU, pour que le monde soit prêt à affronter le prochain défi. Madame Lewis, je pense que nous devons regarder à l'intérieur de nous. Nous ne devons jamais nous retrouver encore une fois dans une situation où nous sommes si peu préparés. Nous devons développer notre capacité de manufacture, une stratégie de préparation pour les situations d'urgence. Il faut s'assurer que les gouvernements soient responsables de notre santé, de notre sécurité. Nous devons avoir confiance dans leur capacité de planification. Nous ne devons jamais être pris au dépourvu comme cela. Et c'est pour cela qu'il faut des incitatifs fiscaux pour que les entreprises fabriquent les équipements essentiels comme les respirateurs, les masques, les gants. Nous devons les fabriquer ici, dans le pays. Merci, Madame Lewis. Merci, Madame Lewis. Monsieur Sloan. Monsieur Sloan et puis Monsieur O'Toole. Je suis contente que vous ayez parlé de services essentiels. Moi, j'étais tellement fatiguée du fait qu'il y avait des centaines de personnes à Walmart. Les gens manifestaient dans leurs milliers, mais les églises étaient fermées. Les églises sont un service essentiel et doivent réouvrir pour qu'on puisse retourner à nos lieux de culte. Je suis d'accord avec Madame Lewis et il faut effectuer une réforme de l'Organisation mondiale du commerce pour qu'on ne les voit pas faire du dumping d'acier ou d'aluminium dans nos pays. Monsieur McKay semble tout à fait d'accord avec la situation actuelle. Il ne demande pas mieux de l'OMC ou de l'ONU, mais c'est le moment pour que les dirigeants conservateurs
tiennent les gens responsables et ne permettent pas aux mauvais acteurs de gérer ces institutions internationales. Quand nous, en tant que parti, pouvons rester unis, attaquer les libéraux au lieu de nous attaquer les uns les autres, c'est là que nous allons réussir. Nous devons encourager les Canadiens à acheter, les encourager à voyager à l'intérieur du Canada. Notre système fiscal doit être refait. Il faut une refonte. C'est comme ça que nous allons réduire le déficit. Écoutez, moi, je ne vous ai pas interrompu. Quand nous avions des mesures pour réduire le déficit, nous avons apporté des changements qui ont pu contrôler les dépenses gouvernementales. C'est là que les choses ont fonctionné. Merci. Nous allons maintenant passer à la 10e question. Il y aura une 11e question, donc ne vous débarrassez pas de vos notes. Je viens de Edmonton et ma question au candidat est: quelle est votre stratégie pour élargir la base du parti, notamment pour les milléniaux et les groupes minoritaires? Merci. Merci de votre question. Je pense qu'il faut que nous devrions construire une tente plus large pour le Parti conservateur, de manière à accueillir davantage de gens et de nouveaux courants. Et nous devons nous diversifier, nous devons faire venir des immigrants, des jeunes, également les conservateurs sociaux, les libertaires, les gens qui sont plus traditionnalistes. Il faut que, sous cette tente, nous puissions élargir notre base de soutien, aller en direction des villes et des zones périurbaines, faire venir les gens de couleur. Moi, je suis la personne qui pourra faire cela. Il faut aussi donner la priorité à l'environnement, parce qu'un grand nombre de personnes n'étaient pas attirées par notre parti en raison de notre absence de politique véritable dans le domaine environnemental. Il faut que nous donnions la priorité aux gens qui ont quitté le parti pour les faire revenir dans notre giron. Et il faut que nous ramenions ces personnes-là. Il faut que nous nous adressions à tout un éventail de communautés diverses. Et je suis la seule à avoir travaillé sur le terrain dans les centres urbains au sein de la diversité. Je sais ce que ça veut dire que d'aller à la rencontre des gens. Et en 2015, lorsque je suis présenté du côté de Scarborough, j'ai réuni des gens qui représentaient tout un panorama, tout un éventail de diversité. Et donc, il faut aller parler aux gens, les convaincre et veiller à nous rendre dans les temples, dans les synagogues, et que nous communiquions avec les gens au sein même de leur communauté. Merci, Madame Lewis, Monsieur Autour. Merci de la question. Je suis d'accord avec Madame Lewis. Je suis prêt à travailler avec elle dans ce sens, faire venir les jeunes et également les nouveaux votants conservateurs, notamment dans les banlieues, dans le cœur des villes. Moi, j'ai encore une fois remporté 3 fois un siège à Toronto en m'appuyant sur des gens qui n'avaient jamais voté conservateur. Et puis parce que j'ai également pris des votes au NPD, parce qu'ils ne se sont plus, ce n'est plus le parti des travailleurs. Donc si vous voulez travailler et œuvrer pour notre grand pays, venez avec nous, venez sous notre tente, notre chapiteau. Moi, je suis fier que presque tous les députés de moins de 40 ans m'aient appuyé et ma vision d'étendre notre rayonnement. Et je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de jeunes Canadiens qui sont fatigués d'un premier ministre qui ne pense qu'aux selfies, qui ne pense qu'à apporter des chaussettes à la mode ou voyantes. Et donc, je peux vous dire que un grand nombre de personnes ne se sont pas qualifiées pour obtenir l'aide tardive qui a été édictée par le gouvernement Trudeau et donc risque de disparaître. Et il y a des jeunes qui sont maintenant au chômage. Et donc, nous, il faut que nous ayons une approche conservatrice.
qui fera en sorte que les gens se sentent réfléchis dans nos valeurs de liberté, d'égalité, de forte représentation du Canada à l'étranger. Moi, je me présente pour l'emporter, c'est essentiel. Et il nous faut également un programme qui prenne l'environnement au sérieux et qui montre que nous pouvons équilibrer la construction de pipelines tout en faisant ce que font nos partenaires, travailler avec nos partenaires, respecter les droits de la personne. Et moi, j'ai mon programme, il est complet. Allez donc le voir sur mon site. Monsieur McKay, merci de la question. Je pense que c'est une question qui est une question universelle et qui montre bien que nous sommes un parti qui offre des solutions, un parti qui a une belle tradition historique, un parti qui a bâti ce pays et un parti qui a toujours gardé la porte ouverte parce que la belle tente, la grande tente bleue des conservateurs est toujours ouverte. Eh bien, à nous encore d'en écarter davantage les pans pour qu'elle accueille davantage de gens et que nous réussissions également en protégeant l'environnement. Nous l'avons fait en protégeant les voies d'eau intérieures et en protégeant les plans d'eau intérieurs, en protégeant nos frontières et les approches de notre pays. Et donc moi-même, j'ai un plan qui réalise justement cela, un plan en 8 points qui nous permettra de relever avec succès les défis de l'après-COVID. Et donc nous devons nous réunir autour des idées d'offrir des chances à chacun, d'offrir l'inclusion à tout un chacun. Et donc c'est cela dont nous avons parlé lorsque nous nous sommes réunis à nos congrès ou lorsque nous en parlons autour de la table de la cuisine. Eh bien voilà, nous voulons montrer d'une façon qui ait du sens que chacun a sa place au sein du Parti conservateur, tout comme tout un chacun a sa place au Canada. Et donc on nous a demandé pourquoi voulez-vous devenir Premier ministre, on nous a posé une question. Eh bien, justement, c'est la question qu'a posée Max. Eh bien, justement, nous voulons lui répondre à sa question à Max. C'est cela qui nous motive de manière à quitter notre pays quand nous le quitterons, eh bien, en nous en allant, en léguant aux générations suivantes un pays meilleur avec une économie qui fonctionne bien et que nous avons une bonne réputation dans le monde et que nous obtenons des résultats. Et donc, je pense que c'est ce que nous allons faire et nous allons ouvrir notre parti et former à nouveau le gouvernement. Monsieur Sloan, eh bien, c'est justement cette question qui m'a motivé à l'égard de la course au leadership. Et donc, à ce jour, c'est cela qui m'inspire. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il faut déjà que le Parti conservateur soit connu comme le parti qui a des réponses à toutes les questions que se posent les Canadiens. Et en abandonnant la corruption des libéraux, nous voulons répondre aux problèmes de logement, de pauvreté, de toxicomanie. Les jeunes aiment faire le bien. Et nous avons des projets qui, justement, permettent de le faire. Alors, ce n'est pas la peine d'emprunter des idées aux libéraux. Nous savons comment faire en sorte pour faire reculer les crises, que ce soit la crise opioïde, que ce soit la crise du logement. Nous avons de bonnes réponses conservatrices à ces problèmes. Et s'agissant de l'environnement, nous avons eu un bon plan écologique dans notre dernière campagne. Mais alors, il y en avait qui disaient « Ah, mais attendez, il ne faut pas aller trop loin ». Eh bien, les conservateurs ne sont pas des alarmistes en matière d'environnement. Nous sommes de bons conservationnistes en même temps que de bons conservateurs. Et donc, nous voulons remettre l'environnement sur pied. Nous voulons faire des choses qui soient bonnes pour l'environnement. J'en viens aussi à la liberté d'expression. Les jeunes s'intéressent à la liberté d'expression, à l'opposition au C16, par exemple. Donc, ce sont les jeunes qui s'intéressent à cela. Alors, voilà des questions qu'il faut prendre au sérieux, par exemple, la liberté d'expression dans les universités. Je m'intéresse à ce projet et donc je pense qu'il faut maintenant une protection solide, vigoureuse pour la liberté d'expression dans nos universités. Je vous ai parlé de mon plan concernant les médias sociaux. Nous devons interdire les gens qui ne savent pas respecter autrui. Bien, alors maintenant, nous pouvons pendant 7 minutes parler librement. Je suis la seule personne ici à avoir une maîtrise en études environnementales. Et je pense que la protection de l'environnement doit être une
un élément, un pilier de notre programme électoral. Et c'est peut-être là-dessus que nous pourrons remporter les élections. Et donc, moi, je peux vous offrir une action tout à fait authentique parce que j'ai pris le temps de m'instruire, de bien comprendre cette question importante qu'est l'environnement. Et j'ai aussi une expérience dans le secteur privé. Et je sais que la politique contraire à la prospérité du monde des affaires pratiquée par le gouvernement actuel depuis 5 ans est quelque chose qui est décourageant. Et donc, vous savez que les petites et moyennes entreprises emploient plus de 80% de la population. Donc, il nous faut des politiques déterminées qui permettent de préserver leur dignité. Oui, c'est vrai que nous voulons tous être de bons parents pour nos enfants, comme dit d'ailleurs M. McKay. Et donc, si nous voulons avoir remporté les banlieues la prochaine fois, il nous faut un plan. Et moi, j'ai un vrai plan et je travaillerai en partenariat avec les premiers ministres provinciaux, comme M. Kenny et Ford. Et j'étais déçu de voir M. McKay attaquer cela. Et donc, il faut que nous nous rapprochions de l'économie provinciale. Nous avons une taxe sur le carbone déclarée anticonstitutionnelle en Alberta. Moi, j'étais contre cette taxe depuis que j'ai été élu. Et j'ai travaillé moi-même pour un employeur privé qui quitte le Canada tout simplement avec ses entreprises à cause de la taxe sur le carbone. Donc, le gouvernement M. Trudeau a miné notre compétitivité, notamment dans le secteur manufacturier et le sud de l'Ontario. Et donc, il faut maintenant travailler avec les provinces et avec les grands émetteurs, parce qu'il y a déjà eu à l'époque un programme de collaboration avec les grands émetteurs, les grands pollueurs. Il nous faut rétablir ce programme. Sinon, si nous n'avons pas nos pipelines, nous ne pourrons pas avoir des projets miniers dans le Nord. Nous ne pourrons pas non plus avoir le concours des Inuits et des, dans le Nord. Et donc, Nous avons des ressources et nous avons également des populations dans le Nord qui peuvent nous aider à les exploiter. Monsieur McKay va répondre. Merci, Lisa. Attendez, mon plan comprend non seulement la protection de l'environnement, mais également la création d'emplois, parce que nous voulons remplacer le charbon comme source d'énergie. Eh bien, nous avons des provinces, y compris la mienne en Nouvelle-Écosse, où nous brûlons encore du charbon alors que nous importons du pétrole. Alors, cela n'est pas cohérent. Il faut faire des progrès technologiques, mais comment financer cela? Eh bien, nous pourrons, pour payer cela, exporter des produits de pétrole et de gaz raffinés dans notre pays et qui ne devront pas passer par le canal de Panama. Nous devons être capables de transporter notre énergie, y compris l'hydroélectricité exportée par le Québec. Et pour cela, il faut établir des consultations avec les provinces, le secteur privé, les populations autochtones. Il faut remplacer notre dépendance à l'égard des autres sources d'énergie et nous servir de celles que nous avons à portée de main chez nous. Et cela va créer des emplois, cela va stimuler notre économie, cela va remettre les gens au travail pendant l'après-Covid. Mais il y a une seule personne sur... J'ai dit, établir un régime réglementaire dans le pays pour le domaine secteur énergétique. C'est M. O'Toole qui parle de réglementer le secteur énergétique. C'est lui qui fait ça. Protestation. Écoutez, franchement, moi, je m'inquiète un peu de cela parce que le système d'établissement de prix réglementaire a l'allure d'une double taxe. Et dans une province comme l'Alberta, qui paye déjà une taxe au niveau provincial, il semble que ce soit une taxe supplémentaire. Et donc là, votre politique me pose problème parce que vous voulez donner donc une indemnité de 100% au secteur manufacturier. Et que faites-vous du secteur pétrolier et gazier? Pourquoi pas le même genre de facilité? Monsieur O'Toole, s'il vous plaît, je vous remercie d'avoir posé cette question. Moi, je vais respecter les projets provinciaux. Je trouve incroyable, je trouve ahurissant que Monsieur McKay n'appuie pas le plan de Monsieur Kenny concernant les gros pollueurs ou le plan de Monsieur Ford, parce que c'est exactement ce que vous avez dit, Monsieur McKay. Et donc, non parce que ces gens-là connaissent l'économie un peu mieux que les bureaucrates d'Ottawa, je crois. Candidates, I'm going to Mr. Sloan right now. Alors, Monsieur Sloan,
Bien, il ne reste que 2 minutes. Eh bien, je voudrais dire également qu'il faut que nous affrontions certaines choses qui se produisent au sein du parti. Et il y a une chose que je crois depuis, au nom des jeunes en particulier, c'est qu'ils ont l'impression que le jeu a été un peu truqué. Alors, notre parti est quand même l'un des plus ouverts qui existent. Et donc, je dois dire que je suis en faveur de l'ouverture et également des mises en nomination selon un système transparent. Je ne veux pas, moi, favoriser mes amis et les gens qui sont les mieux placés. C'est au niveau local que cela doit se décider. Et donc, je suis contre cela. Je suis contre le népotisme. Ce sont les gens qui doivent décider au niveau local. Et tout le monde doit être en faveur de cela. Et je ne sais pas, peut-être que M. McKay pourrait répondre à ma question. Est-ce que vous allez permettre des mises en candidature selon un processus libre et transparent? Notre pays a une longue tradition de respect de la volonté de la base. C'est pourquoi nous avons ces débats et des débats pour la chefferie du parti. Certes, nous voulons des mises en candidature qui soient transparentes et ouvertes. Et moi, je suis prêt à restituer l'argent aux associations de comté pour qu'elles puissent être plus libres et que nous puissions remporter davantage de sièges, parce que je pense que ça s'est un peu estompé au cours des dernières années. Nous devons restituer le pouvoir à la base. Parce que c'est ainsi que nous aurons des candidats solides, des gens qui vont remporter des sièges. C'est ainsi que nous allons pouvoir former le gouvernement, remplacer Justin Trudeau. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Tout ce temps que nous sommes. Nous sommes un pays, un parti qui aime la démocratie, qui adhère à ses principes. Merci. Voilà qui termine maintenant les questions. Alors, maintenant, j'ai dit qu'il y a une petite prime. Le 1er juillet, l'accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis entre en vigueur. Et nous échangeons pour 2 milliards de marchandises tous les jours avec les États-Unis. Alors, comment allez-vous travailler de concert avec ce gouvernement américain actuel et le prochain, Monsieur O'Toole? Merci beaucoup. Vous posez une question importante parce que le gouvernement Trudeau a mal emmanché la NAFTA nouvelle version. Et donc, les États-Unis se préoccupaient surtout du Mexique au moment où nous avons repris les négociations. Et puis, M. Trudeau a présenté dans son programme électoral des questions comme le changement climatique et les négociations commerciales avec les États-Unis. Mais alors que le Mexique, lui, a abordé les négociations sérieusement et là, a abordé de bons résultats. Pourquoi? Parce que cette nouvelle entente vient léser les raffineries d'aluminium de la Colombie-Britannique et le Saguenay, parce qu'il faut, transvaser continuellement l'aluminium. Et donc, voilà qui va aider le Mexique et léser le Canada du point de vue de l'exploitation des aciéries et des alumineries. Et donc, ceci est un échec patent du gouvernement Trudeau. Et c'est une chose qui a été évoquée à la Chambre. Et quand je me suis rendu à Washington et que j'ai aidé à faire éliminer les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Et j'ai rencontré un membre du Congrès, Dax Hunshaw, qui avait perdu un œil d'ailleurs dans une opération militaire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à tisser des liens sur la colline du Capitole, y compris avec des gens comme lui. Et donc, c'est pourquoi j'ai proposé que nous participions au programme de missiles balistiques au sein du NORAD, de manière à obtenir et la sécurité, et les échanges commerciaux, et la politique étrangère, de manière à passer à la réforme des institutions qui se dressaient contre nous. Donc, l'ALENA nouvelle manière aurait permis de redresser la situation et également du point de vue des aciéries et des alumineries. 2 minutes pour M. McKay. Nous avons sauvegardé les négociations sur l'ALENA, mais je peux vous dire que cela nous a appauvris parce que nous avons fait des concessions concernant l'aluminium, comme on l'a dit. Nous avons fait des concessions concernant la propriété intellectuelle. Nous avons prêté le flanc. Nous avons augmenté notre vulnérabilité et mis en danger notre souveraineté en parlant d'un accord avec le Royaume-Uni qui aurait nécessité l'accord
des États-Unis. Et alors, c'est vrai que ça a été un accord gagnant-gagnant, mais pas pour nous, pour les États-Unis. Alors peut-être que dans l'avenir, nous pourrions redresser certains de ces déséquilibres. Mais il faut quand même que nous puissions travailler avec notre partenaire le plus important. Il faut pouvoir se rendre aux États-Unis, comme je l'ai fait moi-même à bien des occasions, pour rencontrer nos homologues du gouvernement Harper. Et donc, il faut pas les provoquer. Il ne faut pas non plus essayer de négocier en coulisses dans le dos de ces gens-là, comme l'a fait M. Trudeau. Parce que ce genre de comportement ne profite pas au Canada. Il faut parler aux Américains des choses qui leur importent. Certes, il y a la question de la sécurité. Alors parlons d'une approche nord-américaine en matière de protection de notre écologie et des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons agir de façon concrète. Donc, il faut travailler avec tout le monde. Il faut que nous sachions rayonner. Et donc, j'ai même aidé M. O'Toole à organiser certains de ces rendez-vous parce que je croyais dans ce qu'il avait entrepris. Et il faut que nous nous fassions confiance en tant que gouvernement pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour les Canadiens. C'est ce que nous avons fait lorsque nous étions pour la dernière fois au gouvernement et c'est ce que nous pourrons faire pour avoir un Canada meilleur, plus prospère, plus mieux sécurisé. Nous le faisons avec nos partenaires les plus proches, avec les pays avec lesquels nous partageons nos valeurs. Nous allons tous en profiter et en bénéficier. Quelle bonne question. Comme a dit M. McKay, il faut commencer par ne pas insulter le président des États-Unis. Nous avons vu Justin Trudeau agir comme un enfant quand il avait à composer avec un négociateur intelligent et rusé. Vous pensez que si les États-Unis voulaient nous aider à ramener les deux Michael de Chine, ils n'auraient pas pu le faire? Mais Donald Trump ne veut pas aider Justin Trudeau. Nous devons travailler avec les États-Unis pour contraindre la Chine. Aaron O'Toole a parlé de commerce libre avec des pays qui pensent comme nous. Nous pouvons traiter avec eux pour avoir des échanges commerciaux libres. Nous devons aussi assumer nos responsabilités envers l'OTAN. Nous devons augmenter nos dépenses militaires et je le ferai d'ici 5 ans. Dans les 5 ans après que je deviendrai Premier ministre, nous ne devons pas faillir à nos responsabilités parce que si nous le faisions, si on assume notre poids, ils seraient prêts à nous aider. Les États-Unis sont nos meilleurs alliés. Avec le prochain gouvernement, qui sera un gouvernement conservateur, notre relation avec les États-Unis sera rétablie. Je suis sûre que Donald Trump sera encore une fois le président des États-Unis. Et à peine il le sera, je vais l'appeler pour le féliciter. J'estime qu'une bonne politique étrangère commence dans le pays. Il faut de bonnes politiques nationales. Il faut une bonne série de valeurs nationales. Nous devons donc faire le ménage chez nous. Nous devons examiner quelles sont les menaces à notre sécurité nationale, notre identité canadienne, notre souveraineté, notre économie, nos valeurs fondamentales, nos valeurs démocratiques. Si nous faisons cela, nous serons mieux respectés à l'international. Il faut aussi bien étudier les pratiques commerciales injustes qui nous font souffrir. La COVID a souligné cette réalité. Elle a aussi souligné le fait que nous ne pouvons pas nous baser sur d'autres pays, même nos alliés, parce que quand nous avions besoin de respirateurs essentiels, M. Trump a décidé de les garder pour les Américains. Et cette décision est à lui de prendre. Mais moi, je ne veux jamais être tributaire de cette décision. Quand nous pensons que nos alliés seront là pour nous et ils nous laissent tomber, nous devons étudier les mécanismes protectionnistes que les États-Unis ont établis et nous devons renégocier nos ententes sur certaines questions.
En fait, ça n'a pas d'importance qui est le président aux États-Unis, que ce soit Donald Trump ou quelqu'un d'autre. Il faut que notre approche envers le président des États-Unis soit une approche respectueuse pour que nous ayons des relations commerciales amicales, pour qu'on puisse bâtir des ponts et rétablir une bonne relation avec notre meilleur et plus fort allié. Merci. Monsieur O'Toole, les libéraux de Justin Trudeau ont manqué le bateau pour l'ALENA. Moi, j'ai travaillé dans le secteur privé sur le commerce. En ce moment, nous sommes absents. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie parlent du libre-échange. Moi, je proposais qu'on travaille plus avec eux sur la sécurité. Moi, j'ai servi dans les forces armées avec les soldats du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et des Australiens. Mais Justin Trudeau est tout à fait absent dans cette nouvelle entente ALENA. Comme cette nouvelle ALENA, ça ne nous empêche pas d'avoir de nouvelles ententes avec des pays comme le Royaume-Uni. Ça nous restreint avec des pays qui n'ont pas des économies de marché, et c'est à cause de ce que fait la Chine. La Chine qui est en train de mettre la sécurité des cinq partenaires dans l'Alliance des renseignements en danger. En tout cas, ça montre que les alliés n'ont pas confiance dans le jugement du gouvernement Trudeau. Mais ils auront confiance dans un gouvernement qui est mené par Erin O'Toole, qui va remettre notre pays sur les rails. Nous devons rétablir notre réputation. Nous devons absolument chercher de nouvelles ententes commerciales, des façons d'exporter nos biens. Nous devons créer des emplois et de la prospérité ici au pays. Nous devons montrer que nous sommes un pays sérieux, un pays qui se préoccupe de la sécurité mondiale et qui y contribue. Nous sommes le 20e sur 28 pays dans l'OTAN. Nos engagements sont à la baisse, notre engagement dans les forces armées. Nous avons le nombre le plus faible de troupes canadiennes déployées depuis des décennies. C'est la décennie de l'obscurité, dit l'armée. Je félicite Monsieur O'Toole sur son service. Moi, j'ai servi nos troupes comme ministre de la Défense. J'étais fière de siéger aux tables de l'OTAN pour parler de nos contributions, de voir nos soldats faire un travail merveilleux en Haïti, par exemple, ou pendant une mission très difficile en Afghanistan. Nous devons travailler avec des pays comme les États-Unis et d'autres qui croient dans notre pays. Nous devons protéger notre souveraineté dans l'Arctique par le truchement de négociations avec les États-Unis. Nos forces militaires doivent être prêtes non seulement à protéger nos frontières, mais doivent aussi contribuer à la paix et à l'ordre international, au rétablissement de la sécurité dans le monde. C'est le Canada que nous avons besoin d'avoir. C'est un Canada que les États-Unis vont respecter. J'ai voyagé en tant que ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. J'ai vu que les autres pays estiment et admirent le Canada. Et cette estime et cette admiration a diminué avec le gouvernement de Justin Trudeau. On ne nous perçoit plus comme un allié de confiance, un allié fiable, et nous devons protéger notre souveraineté. Monsieur Sloan, Peter, je suis d'accord et je trouve que la proposition de l'entente CANSAC est très bonne. Mais notre allié le plus proche, c'est les États-Unis. Les autres pays dont vous parlez sont très bien, mais les liens historiques que nous partageons doivent être une priorité. Les États-Unis et notre bon ami l'a toujours été, et il n'y a rien que nous ne pouvons pas accomplir avec eux. Je suis d'accord d'élargir nos échanges commerciaux à ces autres pays, mais ça ne doit pas nous coûter notre bonne relation avec les États-Unis. C'est quelque chose qui m'inquiète. J'entends M. McKay et M. O'Toole parler de l'OTAN. Ils sont engagés à dépenser 2% du PIB pour les forces armées. Mais même s'ils ont tous les deux été ministres de la Défense, ils n'ont jamais atteint ces 2%. Pourquoi? La récession de 2008-2009.
Oui, mais maintenant, nous avons des problèmes qui sont beaucoup plus importants avec la crise de la COVID. Pourquoi est-ce que les Canadiens devraient croire à votre promesse? C'est le but. Nous allons progresser vers les 2 % au fur et à mesure que notre économie se rétablisse. Nous avions pris cet engagement en tant que gouvernement à des réunions de l'OTAN au Royaume-Uni. Nous avons pu faire cette promesse parce que les pays croyaient en nous. Les États-Unis veulent que nous nous engagions à livrer ces 2 %. Nous voulons encourager les autres à faire la même chose, mais en ce moment, nous nous dirigeons dans la direction opposée. Quelqu'un devrait dire à Justin Trudeau que Vimy Ridge n'était pas une opération de maintien de la paix de l'ONU. L'opération la crête de Vimy. C'est pour cela, quand j'étais au tombeau du soldat inconnu, j'ai entendu les discours pour le décès de Nathan Sorillo. Ces liens sont une façon de réparer les dégâts causés à nos relations par Justin Trudeau. Ces liens sont très importants et nous devons utiliser nos relations historiques, commerciales et militaires pour rétablir cette relation. Nous devons aussi, avec d'autres pays, aligner les institutions qui ont été gérées et dirigées par des mauvais acteurs. Il faut de la réforme. Je m'inquiète quand vous me dites que vous allez réouvrir l'entente, le partenariat transpacifique. Le partenariat transpacifique est déjà en place, mais nous n'avons pas négocié la gestion de l'offre. Nous devrions montrer que les alliés, les démocraties, les pays libres accomplissent plus quand ils travaillent ensemble. Il faut travailler avec nos alliés. S'il y a de nouvelles ententes de libre-échange, il faut que ces priorités et ces engagements à notre système de gestion de l'offre y soient inclus. Merci. Ceci conclut le débat de ce soir. Merci beaucoup. C'était un débat dynamique et bien géré. Avant que je ne demande aux candidats de conclure, je dois reconnaître que j'ai fait une observation un peu à la légère qui visait un des candidats et je présente mes excuses. Monsieur O'Toole, chers amis, je me présente parce que je crois en ce parti. Je crois que si vous êtes un conservateur social ou budgétaire, ou si vous êtes au Canada depuis 5 ans ou 50, si vous êtes LGBTQ ou jeune ou plus vieux, ou si vous voulez travailler les samedis, les dimanches, vous êtes une partie importante de ce pays et il y a une place pour vous dans le Parti conservateur. Je serai un champion pour le Parti conservateur et lutter contre ceux qui essayent de nous définir. Pour ce qui est des attaques contre moi, les libéraux seront encore plus durs. Mais vous ne pouvez pas m'effrayer. Moi, j'étais pilote de Sea King. Alors, les conservateurs ont un choix. Soit vous pensez qu'on peut agir comme les libéraux et gagner, ou vous croyez, comme moi, que vous allez gagner quand vous pouvez unir tous les conservateurs. Nous allons gagner quand nous affrontons les libéraux de façon positive, en offrant une option de principe pour notre pays. Je demande votre appui et votre aide. J'ai besoin de votre appui pour affronter et gagner contre Justin Trudeau, remettre notre pays sur les rails et bâtir un Canada respectueux avec toutes les possibilités. Je suis Erin O'Toole et je veux être Premier ministre. Monsieur McKay, nous sommes un grand parti qui a fait beaucoup dans l'histoire du Canada et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Quand j'ai co-fondé le Parti conservateur du Canada, nous avions perdu 3 élections. Nous devions être forts et unis pour gagner. Nous avons gagné. J'ai siégé au cabinet pendant une dizaine d'années. La règle du droit était protégée. Nous avions un gouvernement qui a réagi à une récession mondiale et qui a équilibré le budget.
pour représenter le Canada à l'extérieur et en faisant d'autres aspects de mon mandat, je ne me suis jamais éloignée de nos racines. J'ai défendu ce qui était juste. Je respectais tous ceux qui gardaient notre pays libre. Et je défendais les vulnérables. J'ai continué à servir les organismes caritatifs, mais j'ai vu notre pays faiblir avec Justin Trudeau. Pour gagner, il faut que les conservateurs soient unis et offrent un plan plein d'espoir. Je vous encourage à visiter mon site web petermckay.ca pour voir ma vision et mon plan en 8 points pour la relance du Canada. Nous avons beaucoup de chemin à faire, mais je vais bâtir une équipe qui est prête à gagner contre Justin Trudeau dans les 4 coins du Canada. Donnez-moi votre appui pour bâtir un meilleur Canada. Monsieur Sloan, c'est un privilège d'être ici ce soir pour représenter les Canadiens et les conservateurs sur le terrain. Nous avons 2 choix. Nous pouvons diluer nos valeurs et espérer de gagner, ou nous pouvons maintenir nos principes. Il y a une différence entre moi et les autres candidats. Je suis le seul qui va nous retirer de l'entente de Paris, de l'accord de Paris, qui va enlever le financement de l'Organisation mondiale de la santé, qui va défendre la souveraineté des parents contre le projet de loi C-16. Je vais défendre le Canada contre les groupes terroristes. Je vais défendre le Canada contre l'alarmisme climatique et lutter contre le discours qui est politiquement correct pour unir notre mouvement, pour rétablir notre souveraineté et pour que l'Ouest soit un partenaire égal. Je serai ferme. Je vous le promets. Si vous ne voulez pas un parti qui est comme les libéraux, je suis votre candidat. Si vous voulez qu'un conservateur qui ne s'excuse pas de l'être mène votre parti, je suis la personne naturelle que vous devez choisir. Madame Lewis, mes parents ont quitté tout ce qu'ils connaissaient pour venir dans ce pays parce qu'ils estimaient que c'était le meilleur pays du monde pour élever leurs enfants. Ils avaient raison et je suis fière d'être canadienne. Le Canada m'a formée et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le pays m'a donné la possibilité d'être devant vous ce soir pour demander de devenir le chef du Parti conservateur du Canada et votre prochain premier ministre, peut-être. Pendant les 5 dernières années, j'ai vu Justin Trudeau détruire le rêve canadien. Le tissu de notre pays est en train d'être déchiré. Les provinces menacent de quitter notre confédération. Les divisions sociales s'élargissent. Mais il y a de l'espoir que le Canada peut redevenir un phare de possibilités partout dans le monde. Quand les conservateurs s'unissent, les conservateurs sociaux, progressistes, libertaires et financiers, nous pouvons commencer le travail pour guérir cette belle nation. Le COVID a été un choc, mais ce n'est que le début d'un pays plus fort et plus autosuffisant qui se base sur sa propre capacité de manufacture, sur nos propres sources naturelles. Nous pouvons être unis avec l'amour et la passion en sachant qu'ensemble, nous pouvons tout accomplir. Notre unité fait notre force. Merci, Madame Lewis. Et merci à tous les candidats. Ceci met fin à notre débat. Nous rappelons les médias que les candidats arriveront dans le studio dans quelques 10 minutes pour répondre à des questions. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont entendu nos candidats discuter de ces questions tellement importantes. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats et je leur remercie du service qu'ils rendent à notre pays.